Punk Show dans vos oreilles pour le deuxième show en mode podcast, les punks. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en pleine forme malgré la petite grippette d'homme qui circule à l'intérieur de mon corps. Fait que vous allez voir, j'ai une voix particulière, mais ça devrait bien aller parce que je suis en forme, c'ti, à part la voix, le mal de tête, le nez bouché, le mal de gorge. Hey, honnêtement, là, je veux vous remercier. Merci aux plus de 300 personnes qui ont pris la peine de venir m'écouter blablater puis dire des niaiseries puis vous faire écouter de la bonne musique tout en buvant une crise de bonne bière sans alcool. Merci, le premier show fait fureur. Je suis vraiment heureux du résultat. Asti, vous êtes fabuleux. Sérieusement, guys. Merci, 1 million, 1 milliard. Le plus gros chiffre du monde, même si ça n'arrête jamais, ben c'est tout ça que je vous envoie comme merci. Merci, merci. C'est important l'amour, c'est important le positif, mais aujourd'hui, on va fermer ça. Parce qu'on va tomber sérieux. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai mentionné sur les réseaux sociaux, sur la page du Helium Punk Show, hein, que vous pouvez aller liker, que vous pouvez suivre. Parce que même s'il n'y a pas de show, je partage des petites choses. Bref, j'ai dit que j'allais mettre les points sur les i et les barres sur les t au sujet de quelque chose de bien précis. Cette chose-là, c'est le Helium Fest. Parce que, pourquoi je veux venir parler de ça? De un, c'est mon bébé. Je suis le fondateur du Helium Fest que j'ai fondé en janvier 2022 avec ma copine Véro et que j'ai légué à mes deux chums, les deux partenaires avec qui on était, vers novembre 2022 en raison de problèmes de santé de mon côté. Donc, j'ai légué le bébé après deux événements. Vous savez pourquoi je parle de ça, le Helium Fest? Parce que la semaine passée, ça a fait le tour du Québec, sur la presse, sur Radio-Canada, partout sur les réseaux sociaux, on parlait du Helium Fest. Le Helium Fest n'a jamais été aussi populaire que la semaine dernière. Puis j'ai reçu beaucoup de messages, d'où la raison pourquoi je viens mettre les choses au clair que le Helium Fest n'est plus dans mes mains depuis novembre 2022. Donc, ce qui s'est passé avec un band et les organisateurs, je n'ai rien à voir là-dedans. Donc, quand même, vous me shootez un tapon de bêtises, je peux pas vous répondre puis je peux pas m'impliquer dans le dossier parce que je suis pas au courant de tout ce qui s'est passé. J'ai lu tout comme vous sur les réseaux, mais je ne suis plus dans l'organisation. J'ai légué le bébé. C'est important parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de messages privés. On me posait des questions. On me disait que j'avais pas été correct. On me disait que, tu sais, mais j'ai passé le flambeau. Je vous le répète, j'ai passé le flambeau. Je pense que c'est important de venir préciser ces choses-là parce que c'est pas tant cool recevoir un petit peu de fiel. J'aime parler de fiel, mais j'aime pas recevoir de la du fiel quand je mérite pas d'en recevoir. Si je mérite d'en recevoir, let's go, faites-le, je suis prêt. Mais là, j'ai plus de lien avec le Helium Fest qui a décidé de fermer ses portes. Des raisons X, Y, Z. Je rembarquerai pas dans le dossier parce que ça date de la semaine passée puis j'ai même pas le goût d'en reparler, là. Ça m'appartient pas, ça m'appartient plus. Voilà, c'est fait, c'est dit. Là, je mérite une gorgée de bière. Hein? Parce que vous le savez, au Helium Punk Show, Jeff Helium boit de la bière sans alcool. Cette fois-ci, elle est brassée par Sober Carpenter, des spécialistes de la bière sans alcool. Une Irish Red, une rousse excessivement succulente de 60 calories. J'en bois souvent de celle-ci. Rousse irlandaise, c'est vraiment succulent dans la gueule. J'ouvre ça. Avez-vous votre bière? Avez-vous votre café? Avez-vous votre liqueur? Peu importe. Alors, vous m'écoutez. Moi, j'enregistre le soir, puis mon show, il joue le mardi midi. Je me suis trompé la semaine passée. J'ai dit mardi, 7h30. Je sais pas pourquoi j'avais 7h30 dans la tête. Mais tous les mardis, à midi, je partais pour dire 7h30 encore, tous les mardis, midi, je suis dans vos oreilles sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, Balado Québec, YouTube. Et si vous cherchez le podcast, c'est facile.
faites du bruit à mes oreilles. Puis vous allez tomber sur toutes les shows du Hillian Punk Show parce que c'est du bruit à mes oreilles qui produit et qui pousse le show. Merci Alex, merci du bruit à mes oreilles. Vous êtes des gens extraordinaires. Je prends ma gorgée de bière parce que j'ai la gueule sèche. Les punks, aujourd'hui, je suis venu mettre les points sur les i et les barres sur les t. Mais je vais parler aussi d'apnée du sommeil, quelque part entre les chansons. Puis je vais vous faire part de ma musique fétiche qui me fait, qui me met dans une transe, qui me sort de mon corps, où je fais un genre de voyage astral parce que je suis plus là quand j'écoute cette musique-là, tellement je suis dedans. Je vais vous en parler. Puis je vais mettre la table pour le prochain show. Parce que c'est important de mettre une table de temps à autre. Hein? Parce que, tu sais, Jusqu'ici, on a parlé beaucoup de skatepunk, de pop-punk, mais faut que j'aille plus loin parce que musicalement, je vais un peu plus loin et c'est de ça qu'on va parler. Quelque part entre les chansons. Aujourd'hui, j'ai choisi du skatepunk, du mélodique. Évidemment, du skatepunk, c'est mélodique. J'ai choisi deux tunes de Ben québécois. Puis j'ai choisi deux tracks pour mettre la table en vue du prochain show, comme je viens de le mentionner. On va starter en musique au plus calice, parce que ça fait du bien à nos oreilles, la musique. Du bruit à mes oreilles. Je parle souvent de Toon Opener avec mon chum Yuri, même avec mon chum PL, parce que c'est important, une chanson qui ouvre un album, ça donne le ton. Donc, chaque fois qu'un Ben offre un opener de la mort, asti, je jouis dans mes shorts. Puis là, j'ai pogné un opener de la mort. En plus de ça, le titre « The Opener ». Puis c'est vraiment l'ouverture de cet album-là. L'album « A Breath of State Air » sorti en 2012, le Ben « Local Resident Failure ». En deuxième lieu, parce que je voyais aller avec un bloc de deux tunes, ça fit bien finalement. Je chialais lors du premier show, mais Calis, ça fit bien. On va écouter une tune des vieux Counterpunch, sortie sur l'album Bruce en 2014. Guard Raise. Donc, dans nos oreilles, The Opener, Local Resident Failure et Guard Raise, The Counterpunch, les Punks. Couldn't happen from the start. My family would always say that this will never last. But the hard ones, what the hard ones, of course they had to try. Secrets and forbidden love, for he was black and she was white. We'll be right back.
Hard Rain, The Counter Punch. Tout juste avant. Nous avons entendu, tout juste avant, The Opener de Local Resident Theater. J'ai eu le temps d'aller me moucher pendant les deux chansons. Ça fait du bien de se vider le pif en hostie. Parlant de nez. La chose la plus à la mode, là, de ce temps-ci, pense à l'apnée du sommeil, calice. On entend parler, tu sais, là, mettons 15-20 ans, personne faisait de ça, on ne savait pas trop. Là, aujourd'hui, tu souffres d'apnée du sommeil, tu dis ça à ton chum, il dit « Chris, moi tout », tu dis ça à quelqu'un d'autre, « Hey, moi tout », puis un tel, « Christy, beaucoup de gens qui souffrent d'apnée du sommeil, je sais pas de quoi ça dépend exactement. » Mais moi, j'ai su, tout récemment, ben, il y a peut-être officiellement environ 8 mois que je souffrais d'apnée du sommeil sévère. Je vais vous expliquer ça. Je le sais depuis plus longtemps que ça parce que ma blonde a dit « Calisse, que tu ronfles comme un tracteur, puis t'arrêtes de respirer pendant 10 secondes à peu près, plusieurs reprises dans la nuit, j'ai des migraines de temps à autre. » C'est rendu je cogne des clous quand que je lis. C'est rendu que le soir, quand je conduis, je cogne des clous. Ma blonde, elle doit chauffer. Fait que j'ai des septons qui sont très, très forts. Fait que c'est ça. Il y a 8 mois, je réussis à avoir un rendez-vous en clinique pour aller faire vérifier si je fais de l'apnée du sommeil. Mais il y a plusieurs étapes à franchir. Ça me gosse un peu, là. Ils disent que c'est important de soigner l'apnée du sommeil, mais tabarnak, ça prend 2-3 ans avant d'avoir ta machine. En tout cas. Fait que là, je me présente à mon rendez-vous. J'attends à peu près 1 heure. Tu sais, parce que tu as un rendez-vous à 10h, mais tu rentres dans le bureau du médecin à 11h. On sait comment c'est le système de santé. Hein? Bref, on ne s'attarde pas là-dessus. Je finis par rentrer dans le bureau du médecin. Puis, la première étape consiste à répondre. Je me souviens plus c'est quoi le nombre de questions. Là, mettons là, 6 ou 7 questions. Tu dois noter de 0 à 3, 3 étant le plus fort, 0 étant vraiment le plus faible, les questions qu'on te pose, auxquelles tu dois répondre. Fait que, mettons, ils te demandent les chances que tu t'endormes devant l'ordinateur de 0 à 3. Là, tu dis, mettons, 3 parce que c'est élevé. Est-ce que tu arrêtes de respirer pendant la nuit? 3. Fait que là, tu notes ça de même. Moi, le résultat final a été de 17. La médecin a dit, moi, personnellement, c'est le plus haut résultat que j'ai vu. Les gens qui font un apnée du sommeil sévère ont des résultats de 12 environ. Puis il faut que tu aies 7 pour être considéré comme une personne qui fait de l'apnée du sommeil. Chris, j'ai eu 17, Calis. Fait qu'elle dit, monsieur Drouin, je vous le dis tout de suite, vous faites de l'apnée du sommeil très sévère, ça va être important de soigner ça pour votre bien, pour votre santé. Mais là, après ça, vous allez avoir une autre étape. L'hôpital va vous appeler, vous allez devoir vous déplacer à l'hôpital, ils vont vous prêter une machine, vous allez amener ça chez vous, vous allez vous brancher, puis ça va être le test ultime. C'est de 6 mois à 1 an avant qu'ils vous appellent. Tabarnak! OK, puis c'est important de soigner ça, mais il faut qu'on attende. En tout cas, là, j'ai eu un appel. Il y a peut-être, je dirais, au début février. Je suis content, je vais à l'hôpital. On m'explique comment brancher la machine sur ma poitrine et tout ça, sur mon torse. Fait que je reviens à la maison, je branche ça. Chris, tu dors mal en tabarnak. C'est pas la machine que je vais avoir quand je vais avoir la vraie machine. Là. C'est une autre machine juste pour vérifier si tu fais bel et bien de l'apnée du sommeil. J'ai mal dormi cette nuit-là, puis dans ma tête, j'ai comme pas vraiment dormi de la nuit. Fait que là, je dis à ma blonde, je dis, Chris, d'après moi, le test marchera pas. Ça a pris du temps avant qu'ils me rappellent. Ça, c'était au début février. Puis ils m'ont rappelé la semaine dernière. Pour me donner les résultats, encore une fois, ça a été long. J'ai dit, Chris, c'est quoi qu'ils font les médecins? Y a-tu des tests d'apnée à peu près 90 par jour? Là, on m'expliquait que c'était les mêmes médecins qui s'occupent des cancers, des poumons, puis ces choses-là. OK, là, je comprends. Mais bref, j'ai l'appel du médecin que j'avais vu au départ. Tu sais, là, le résultat de 17. C'est elle qui m'a rappelé. Puis elle me dit, monsieur Drouin, j'avais raison. Vous faites de l'apnée du sommeil très sévère et c'est absolument normal que vous soyez brûlé par les deux bouts de la chandelle,
que votre anxiété soit à son maximum. Parce que, tu sais, la fatigue, ça va avec l'anxiété. Moi, je fais de l'anxiété généralisée, je prends des médicaments. Donc, elle est très élevée. Surtout que l'apnée du sommeil semble avoir empiré parce que depuis un an, j'ai beaucoup de difficultés à gérer mon anxiété. Puis là, je me rends compte, je suis pas fou, là. Je cogne des clous partout, je suis fatigué, je dormirais tout le temps, je fais 73 siestes par semaine. Bref, j'ai enfin le résultat. Mais là, j'ai toujours pas la machine parce que le style machine de tabarnak, ça va prendre entre 2 et 3 mois. Mais ça s'en vient. J'ai hâte en calice de l'avoir, mon style machine de l'apnée du sommeil, même si je vais haïr ça, dormir sur le dos puis tout ça, là. Parce que j'ai hâte en calice de bien dormir. Les punks, merci d'avoir écouté cette histoire de Jeff Alien. Vous écoutez toujours le Alien Punk Show, deuxième épisode du Alien Punk Show en mode podcast. On se retourne en musique. On va aller écouter du PMX avec la track Falling Apart, sortie en 2020. Control Alt Delete, l'album. Et une track très très forte de One Hidden Frame qui s'appelle Immortal, sorti sur l'album de Weather Seems Inviting en 2014. Crissez ça dans vos oreilles, dans le tapis, les petits punks d'amour. Euphoria, the love of everything.
Immortal, One Hidden Frame. Tout juste avant, on a entendu l'excellente pièce Falling Apart de PMX. Deux gros tracks, Fast, Tight, Skate Punk, comme je les aime. Guys, hey, j'ai pensé à ça pendant ce bloc musical. J'ai pas le choix. Je voulais pas parler de Fiel aujourd'hui, mais c'est parce que je suis parti à rire. J'étais en train de parler que mon meilleur chum qui est trucker. Puis, il a son truck à lui. Puis, depuis la pandémie, ben, il n'y a plus beaucoup de truck stop. Tu sais, des restaurants pour les camionneurs, il y en a moins. Tu sais, ça a pris vraiment une tournure un peu particulière sur les routes quand t'es camionneur. Fait que mon chum, il est rendu qu'il se batch dans son truck. Donc, sa femme, elle, il fait des repas qui traînent dans son truck. Puis, il mange dans son truck. C'est bien installé, il y a un bed, là, tu sais, un lit avec des armoires, tout est bien installé. Puis, il se lave dans son truck. Ça, j'ai trouvé ça drôle. Il se lave à mitaine. Il s'amène ben de l'eau. Il a fait chauffer, je pense, dans une bouloire. Puis, il met de l'eau fraîche puis de l'eau chaude mélangée avec une chaudière puis une débarbouillette. Puis, il se lave à mitaine de même. Parce que avec les nouvelles règles, e-log... T'as plus le temps d'arrêter autant qu'avant. Faut que tu manages beaucoup ton temps là, avec toute l'électronique puis tout ça. Fait que bref, il se lave dans son truck, calice. Mais c'est pas ça le pire. Il y a sa chaudière qui prend pour se laver. J'ai appris que c'était la même qu'il prenait pour chier. Parce que là, il me dit qu'il chie dans son truck aussi, calice. Là, j'ai dit, ça n'a pas de sens, tabarnak. Qu'est-ce que t'es capable d'arrêter de chier sur le bord du chemin quelque chose? Hein, non! Il chie dans sa chaudière. J'ai dit, pas en plus, tu te laves avec. Ouais, mais je mets un sac de plastique puis je chie dans le sac. Après ça, quand j'arrive d'un truck stop, je jette. Calisse! D'où sentir la charogne en esti le temps d'acheter le sac pareil? Faut que tu sois game en crise de te laver dans la même chaudière dans laquelle tu chies dedans, même si tu mets un sac de plastique. Je sais pas pour vous autres, mais pour moi, c'est un petit peu cocasse. J'y ai dit, j'ai pas le choix d'en parler dans mon show. Il est parti à rire. Ça veut dire que il voulait que j'en parle, tu sais. C'est quand même cocasse. On poursuit en chanson avec deux tracks, des voix féminines, des bands du Québec. La première pièce qu'on va écouter, Queen of Heart de Rope Skills, sortie sur le EP Discharge en 2022. Et le second morceau, Warrior de Pace. Sorti tout récemment, vendredi, le 5 avril 2024, de la grosse crise de bombe. Le EP s'appelle Perfect Storm, 4 tunes dessus. C'est du gros crise de solide. Donc on écoute Queen of Art de Rope Skills et Warrior de Pace. We'll be right back.
Warrior de Pace. Excellent band, nouveau band. Jess, une voix que j'adore. Moi, ce genre de voix-là, un peu rocailleuse, ça vient me chercher, ça me donne des frissons. Tout juste avant, c'était la voix de Kate du band Rope's Kills avec la chanson, l'excellente pièce Queen of Heart. Ouh! Ça va vite! 35 minutes qu'on est ensemble à jaser, à blablater, à écouter de la musique via le Helium Punk Show. J'espère que je vous berce avec ma musique, avec mon blabla, j'espère. Ben moi, en tout cas, la bière est bonne en esti, puis je veux le rappeler, Sober Carpenter, des spécialistes de la bière sans alcool, parce que, pour ceux qui se le demandent, je suis straight edge, donc je bois la bière sans alcool, je ne consomme pas de tabac et ni de drogue. Voilà, c'est dit, c'est fait. Là, faut que je vous dise de quoi. Je l'ai dit tantôt au début de show, depuis qu'on a commencé le Helium Punk Show en mode podcast, je fais jouer du pop-punk, du skate-punk. Mais, mon petit dada à moi, là, la musique qui me rentre dans une transe, qui me donne des frissons, qui me fait vraiment sortir de mon corps, là, c'est le beatdown. Le deathcore, que je peux mettre un peu ensemble parce que même le hardcore, ils ont des gros breakdowns dans ces chansons-là, puis c'est ça qui me sort de moi-même. Je viens, pour vrai, là, j'avais un show en 2022 où j'avais le Helium Punk Show qui jouait du lundi au vendredi à 13h sur les ondes de punkrockradio.ca, mais j'avais aussi une fois par semaine un show qui s'appelait C'est pas pour les doux, et je faisais jouer du beatdown, du deathcore, un petit peu de metalcore, j'aime un peu moins, mais vraiment, là, le beatdown puis le deathcore, hostie de calice que c'est... Oh! Puis quand je faisais ça, le show C'est pas pour les doux, là, je sortais après le show qui durait une heure. J'avais souvent des entrevues avec des membres de Ben. Je sortais de là, j'étais 30, là, tellement que j'étais rentré là, dans une transe en écoutant les tracks que je faisais jouer. Fait que, tout ça pour dire que le troisième show en mode podcast, on va parler de beatdown, de deathcore ensemble. Je vais vous décortiquer un peu ce que c'est le beatdown parce que c'est pas tout le monde qui est familier avec ce style-là qui est d'une violence extrême. C'est excessivement violent, le beatdown. Je pourrais peut-être utiliser agressif, non, attends. Énergique, mais non, c'est agressif. C'est très intense. C'est... Les sequel pits, les battles, c'est un autre monde. Donc, on va parler de ça, on va décortiquer ça ensemble, puis je vais vous présenter des bands que j'aime qui font du beatdown. Probablement, je vais faire jouer du deathcore un peu aussi, parce que vraiment, c'est deux styles dont je raffole. C'est pas compliqué, là. Puis c'est sûr que quand je suis en voiture avec ma copine, on écoute du punk rock parce qu'elle aime pas ça quand ça gueule. Ça la rend agressive, mais moi, ça m'apaise. On est en train de disséquer mon cerveau, là. Je vous fais rentrer dans les entrailles de mon cerveau, là. Le beatdown et le deathcore m'apaisent, me fait du bien, me fait me sentir bien, joyeux. Ah, j'en parle, j'ai déjà des frissons. Et là, on va mettre la table, justement, pour le prochain show. On va aller écouter du hardcore, les deux dernières pièces. Ça va être violent. On va se faire violenter notre cerveau, on va se faire tapocher les pas doux. Fait que ce sera pas pour les doux le prochain show du Helium Punk Show. Là, je suis pas en train de dire que le show va se transformer en show beatdown deathcore. Non! Je l'ai dit, le Helium Punk Show, ça va être les styles de musique que j'écoute, donc du punk rock, du hardcore, du beatdown, du deathcore. Ça va être ça, on va se promener là-dedans, les punks. Hein? N'est-ce pas merveilleux? Il y en aura pour tous les goûts! Merci vraiment à Alex de Du Bruit à mes oreilles de me permettre de faire mon show en mode podcast puis de le distribuer à ma place. Ça m'aide énormément. Ça m'évite de le faire puis je suis vraiment satisfait des résultats. Merci à tous ceux qui ont écouté le premier show puis à ceux qui écoutent en ce moment. Le deuxième, c'est grandement apprécié. C'était Jeff Helian
du Helium Punk Show en mode podcast pour ce deuxième épisode. Puis on va se quitter. Ben, on se quitte, mais on va revenir, hein? On se quitte pas pour tout le temps, là. Ce n'est que nos revoirs jusqu'au prochain show, qui va être lundi prochain, mardi midi. Bon, qu'est-ce que j'avais choisi, moi, donc? Ah, tabarnak! Les deux pièces avec lesquelles on va se quitter, là, pour vrai, là, ces deux closers parfaits, c'est que t'écoutes ces tracks-là, tabarnak, tu veux en réécouter d'autres, mais on pourra pas parce que ça va être fini. On va écouter Keepers of the Faith, The Terror, sorti sur l'album du même nom en 2010, et Finish the Job du band God's Hate, sorti sur l'album God's Hate en 2021. Merci les punks, je vous aime d'un amour inconditionnel. Ciao, bye! Tell them, the others, find them and tell them not to doubt. Even now, not to doubt. Tell them to keep their faith. They must keep faith. Monsters are out there copulating to create all these hunks of shit people in the world.